La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Jouer à des jeux interdits par la loi de l'islam fait partie des péchés de la main. Parmi ces jeux interdits, qui sont nombreux, on compte les jeux de dés, les jeux de cartes et d'autres jeux que ces deux derniers lorsqu'ils s'appuient sur le hasard et la conjecture et non sur la réflexion et le calcul. De plus, les jeux interdits mènent à la dispute et à la discorde entre les gens et ils entraînent beaucoup de maux. Les jeux de dés sont illicites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Celui qui joue au dés, c'est comme s'il plongeait la main dans la chair de porc et dans son sang. » Ce hadith veut dire que jouer au dés, c'est haram. Les jeux de cartes sont illicites aussi. Ils sont analogues aux jeux de dés car toutes les sortes de jeux qui s'appuient sur le hasard et la conjecture et non sur la réflexion et le calcul sont interdits en islam. De même, le jeu de domino car c'est un jeu où l'on ne s'appuie que sur le hasard et la conjecture. Si l'on joue à ces mêmes jeux avec une mise, c'est-à-dire contre une somme payée par le perdant du jeu, cela devient un pari d'argent qimar qui fait partie des grands péchés en islam. Il en va autrement du jeu d'échecs qui ne répond pas à la même définition que le jeu de dés. Les échecs, en effet, font appel à la réflexion et au calcul avant de déplacer les pièces, et ce, qui a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait blâmé ce jeu, n'est pas confirmé, car c'est là un jeu conçu pour développer la saine réflexion, la bonne gestion et la stratégie organisée. Il est par ailleurs fort utile pour la stratégie et pour le calcul. Suite à mes propos, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété et la bonne compréhension de la religion. Walhamdulillahi rabbil alamin.